Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et je vais commencer une nouvelle série de vidéos. J'avais envie de vous présenter ma pile à lire d'une manière un petit peu différente de ce qu'on peut avoir tendance à voir sur YouTube. Et du coup, aujourd'hui, je vous présente une vidéo pile à lire spéciale livre de poche et ensuite les grands formats, je le ferai en fonction des couleurs. Donc tous les livres jaunes qui se trouvent dans ma pile à lire, tous les livres noirs qui se trouvent dans ma pile à lire, tous les livres rouges, enfin bon, vous avez compris. J'espère que ce genre de vidéo va vous plaire. Vous allez voir, j'ai beaucoup de livres dans ma pile à lire. Mais c'est une façon de vous montrer les différents livres que j'ai dans ma bibliothèque. Pourquoi pas commencer des lectures communes avec certains abonnés si ça vous tente. De vous donner des idées de lecture aussi. Après, je ne vais pas parler des résumés. Je vais vraiment vous présenter le livre avec l'auteur et le titre. Mais je ne parlerai pas des résumés parce que là, au niveau des livres poche, je crois qu'il y en a au moins une cinquantaine. Donc, c'est parti. Le premier, il s'agit de Les cœurs fêlés de Gail Forman, Parce que je t'aime de Guillaume Musso, Sauve-moi de Guillaume Musso, L'œil de Ken de Patrick Bowen, Duel de Barbara Abel, Le chuchoteur de Donato Carissi, Jamais sans mes sœurs de Christina, Céleste et Juliana, Prendre Lily de Marie Neuser, Les Mijaurées de Elsa Flagel, Tout plutôt qu'être moi de Ned Widzini, Territoire de Olivier Norek, Jumelles de Saskia Sarginson, Zone de Jean-Hugues Opel, On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en s'en allant de Marie Kinzinger, Messe noire de Peter Straub, Phénomène tome 1 de Eric Lum, Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, Quand sort la recluse de Fred Vargas, Terrienne de Jean-Claude Mourleva, Grand frère de Maïr Guven, L'heure des fous de Nicolas Lebel, Le brasier de Vincent Haüy, Nos années sauvages de Karen Joy Folver, Luke et John de Robert Williams, Ainsi puis-je mourir de Vivian Moore, Belgravia de Julian Fellowes, Quand souffle le vent du nord de Daniel Glattauer, Fog de James Herber, La saga, donc tome 1, tome 2, tome 3 de Zombie Island de David Willington, Comme ton ombre de Elizabeth Haynes, Dans son silence de Alex Michael Litz, Présumé disparu de Suzy Steiner, Captive de Fabien Clavel, Iboga de Christian Blanchard, Takawane de Éric Plamondon, Ne lâche pas ma main de Michel Bussy, Qui es-tu, Alaska de John Green, Retour sur l'île de Viveka Sten, L'assassin du train de Jessica Fellowes, Les nouveaux voisins de Catherine McKenzie, Sorry de Zoran Drunkar, Les éveillés de Jérôme Camus et de Nathalie Hugues, Fièvre de Megan Abbott, 7 jours à Riverfail de Alexis Obenk, Sister de Michelle Adams, Les lieux sombres de Gillian Flynn, La soudaine apparition de Hope Arden de Claire Knopf, Avalanche Hotel de Nico Takian, 10 petites poupées de Bea Paris, Annabelle de Lina Brengstoder, j'ai le tome 3 et le tome 4 de Autre Monde de Maxime Chatham, sachant que le tome 1 et le tome 2 sont lus. Boréal de Sonia Delzongle. Futur de Dmitri Glunkowski. La balade de l'enfant gris de Baptiste Beaulieu. Jardin secret de Hélène Warner. Dieu me déteste de Holly Simon. Quitter le monde de Douglas Kennedy. 5150 rue des Normes de Patrick Sénécal, Le rituel de Adam Neville, Le triomphe des ténombres de Giacometti Raven, Un sac de Solène Bakomski, Je vous sauverai tous de Émilie Fraîche, Purgatoire des innocents de Karine Gebel, Esprit d'hiver de Laura Kaczynsk, Juste une ombre de Karine Gebel, Toxique de Nico Takian, Conception de Chase Novak, Maléfice de Maxime Chatham, La maison d'à côté de Lisa Gardner, Dans les angles morts de Elizabeth Brundage, Endgame, le tome 1 de James Frey et de Neil Johnson Shelton, Vous n'aurez pas ma haine de Antoine Leiris,
Red Rising, le tome 1 de Pierce Brown, Un poids sur le cœur de Yael Hassan, Est-ce ainsi que les hommes jugent de Matthew Minogo, Séquestré de Chevy Stevens, Comme si j'étais seule de Marco Maggini, Pars avec lui de Agnès Ledig, Juste avant le bonheur de Agnès Ledig, La dernière prophétie de James Peterson, Du feu de l'enfer de Sir Cédric, et VJF de Liz Blackrock, Quand la neige danse de Zonia Delzon, Fantasmé de Nico Takian, Bleu blanc sang de Bertrand Puard l'intégrale, Maule de Tricia Sullivan, Le murmure de l'ogre de Valentin Musso, Une vraie famille de Valentin Musso, Une bonne intention de Solène Barkowski, La maison des brouillards de Eric Berg, Une mère sous influence de Patricia McDonald, Où les roses ne meurent jamais de Gunnar Stahlsen, Comme toi de Lisa Jewell, La femme du monstre de Jack Expert, La petite fille sur la banquise de Adélaïde Bon, Le ferry de Matt Strangder, Tant bien que mal de Arnaud Dudek, Mon père des montagnes de Madeleine Hoff, Les apparences de Gillian Flynn, Où es-tu de Mark Levy, David Chincott de Dan Brown, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rings, donc là c'est le tome 1, Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, La déposition de Pascal Robert Dillard, Comment Baptiste est mort de Alain Blottière, Les sœurs ennemies de Jonathan Kellerman, Les larmes noires sur la terre de Sandrine Collette, Tu me plais de Jack Expert, Le garçon en pyjama rayé de John Boyne, Wonder de R.G. Husband de Rebecca Liglieri, Que serais-je sans toi de Guillaume Musso, Entre mes doigts coule le sable de Sophie Talman, Minute papillon de Aurélie Valognès, Un dimanche au bord de la piscine de Madeleine Wickham, Le journal de ma disparition de Camilla Greb, Hook de Michel Miller, Les arpenteurs de Kim Zupan. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. Vous avez pu découvrir tous les livres de poche qui font partie de ma pile à lire. Je vous ai pas caché qu'il y en avait beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos en fonction des livres de couleur qui se trouvent dans ma pile à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.